Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune en visite dans la wilaya de Tindouf, où il a procédé en compagnie du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani à la pose de la première pierre du projet de réalisation de la zone de libre-échange entre les deux pays. Cette zone constituera un trait d'union en matière d'échanges commerciaux et industriels entre l'Algérie et les pays d'Afrique de l'Ouest. Les deux dirigeants ont également donné le coup d'envoi du projet de réalisation de la route reliant Tindouf en Algérie à Zouilat en Mauritanie. Le président de la République insiste sur l'impératif de passer à la vitesse supérieure dans la réalisation de ce projet en adoptant un système de travail en continu. Alger Nouakchott, c'est aussi un échange de visites et la tenue de commissions mixtes et de concertations politiques des projets se sont traduits dans les faits avec notamment l'ouverture d'une banque algérienne dans la capitale mauritanienne. Situation à Raza, les audiences publiques s'enchaînent à la CIG, 52 États plaident en faveur de l'arrêt de la colonisation. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU tient une réunion ordinaire sur la situation à Raza. On écoutera l'intervention du représentant de l'Algérie dans ce journal. Le projet du nouveau plan de circulation de la capitale au centre hier de la réunion du gouvernement à suivre dans un instant un reportage sur le stationnement à Alger. Nous célébrons après-demain samedi un double anniversaire, la création de l'UGTA et la nationalisation des hydrocarbures. Il interviendra à moins d'une semaine du Forum des pays exportateurs de gaz. L'Algérie et les moyens s'imposent en tant qu'acteur majeur dans le monde, affirment experts et spécialistes. Nous en parlerons également dans ce journal. Sport judo, championnat arabe des clubs seniors individuels à la coupole Mohamed Boudiaf. La compétition dominée difficilement par le club tunisien de judo devant le judo club d'El Harraj. Retour également sur la réunion du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football. Le futur sélectionneur des Verts sera connu incessamment, une fois en fait que tous les détails de l'accord seront validés. À retenir également dans l'actualité sportive, la conférence de presse du sélectionneur national des Dames qui se prépare à la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. La coopération algéro-mauritanienne à l'honneur ce jeudi. En visite dans la wilaya de Tindouf, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a procédé en compagnie du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, arrivé ce jeudi à Tindouf, à l'inauguration et à la pose de la première pierre d'un certain nombre de projets stratégiques communs entre les deux pays dans cette région frontalière. Les deux chefs d'État s'étaient au préalable entretenus au salon d'honneur de l'aéroport commandant Faradj. Les projets complémentaires prometteurs qui se concrétisent sur le terrain entre l'Algérie et la Mauritanie traduisent la volonté forte des deux pays de promouvoir et de hisser leur coopération bilatérale vers de plus larges perspectives et d'imprimer une nouvelle dynamique aux échanges économiques et commerciaux entre les deux parties afin d'établir un partenariat stratégique global. Hanan Saïssi. Le président de la République et son homologue mauritanien ont ainsi procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation de la zone de libre-échange entre les deux pays. Cette zone franche constituera un trait d'union en matière d'échanges commerciaux et industriels entre l'Algérie et les pays d'Afrique de l'Ouest, selon les explications fournies sur place. Elle fait partie des 5 zones de libre-échange prévues à Tinzawatin, Timiaouine, Borj Bedi Mokhtar et Dbdeb dans l'extrême sud du pays. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a invité les opérateurs économiques mauritaniens à investir dans la zone franche et à tirer parti des exonérations fiscales et douanières en matière d'échanges commerciaux et industriels entre les deux pays. Il a affirmé que les marchandises et biens mauritaniens d'origine claire sont les bienvenus, exonérés de taxes, idem pour les produits algériens. Le président de la République a en outre indiqué avoir convenu avec son homologue mauritanien d'une prochaine rencontre entre les ministres du commerce des deux pays pour renforcer la coopération et les échanges bilatéraux à travers la création de banques et la facilitation de l'accès des biens et marchandises, soulignant que la route Tindouf-Zouiret facilitera les échanges des biens mauritaniens et algériens entre les deux pays. Et justement, les deux chefs d'État ont donné le coup d'envoi du projet de réalisation de la route reliant Tindouf en Algérie à Zouiret en Mauritanie. Le président de la République insiste sur l'impératif de passer à la vitesse supérieure dans la réalisation de ce projet en adoptant un système de travail en continu. Un exploit majeur, souligne le président mauritanien, qui remercie le président Tebboune pour son engagement à concrétiser ce projet vital. Cette route stratégique de 840 km est réalisée par des entreprises algériennes, ce qui permet à l'Algérie, pour la première fois depuis son indépendance, de réaliser une infrastructure d'importance majeure en dehors de ses frontières.
le lancement de la réalisation de la route de ce projet stratégique est intervenu pour annoncer une nouvelle étape dans les relations historiques entre l'Algérie et la Mauritanie, lequel devra ouvrir les axes routiers internationaux importants et permettre aux opérateurs algériens d'accéder au marché africain via la Mauritanie. Les présidents Tebboune et El Razouani ambitionnent de renforcer ainsi les relations bilatérales et de les hisser au plus haut niveau dans un contexte régional des plus particuliers. La relation entre Alger et Nouakchott n'a jamais connu une telle dynamique, en témoignent les projets de complémentarité et d'intégration, comme d'ailleurs la route Tindouf-Zouirat Najib Driss. Alger et Nouakchott entretiennent des relations historiques séculaires. Elles ont pour souci constant de contribuer à tout ce qui soutient la sécurité et la stabilité dans la région et dans le voisinage, surtout avec les tentatives et manœuvres actuelles de déstabilisation du Sahel, une région très convoitée, notamment pour ses ressources et sa position géostratégique. À noter que les relations bilatérales connaissent actuellement un véritable tournant. Elles n'ont jamais été plus développées et plus dynamiques, à travers notamment des projets de complémentarité d'intégration décidée par les présidents Tebboune et Ould Cheikh El Razouani, tel le projet stratégique de la route Tindouf-Zouirat, la première route légale et respectueuse des frontières. Un axe sécurisé, voulu notamment pour les transporteurs routiers de marchandises des deux pays. L'achèvement des travaux des deux postes frontaliers, l'inauguration de la première banque algérienne et la première exposition permanente de produits algériens en Mauritanie viennent également dynamiser les relations entre les deux pays. Des projets à dimension humanitaire et sociale en faveur des deux peuples. Entre l'Algérie et la Mauritanie, ce sont des relations profondes, historiques, avec des liens multiséculaires et socioculturels et spirituels. Une conscience et une sagesse partagées face aux tensions qui les entourent dans un environnement régional turbulent et hostile. Le projet de la route Tindouf-Zouirat permettra de consolider la coopération économique entre les opérateurs économiques des deux pays et de relancer la dynamique économique et la fluidité des échanges commerciaux. Rim Boukhadoum. 100 millions de dollars d'exportation vers la Mauritanie, un chiffre appelé à augmenter à travers la réalisation des projets stratégiques, économiques et géopolitiques, notamment grâce à la route Tindouf-Zouirat, pour réduire les délais et les coûts des exportations vers la Mauritanie, mais aussi ouvrir la voie vers d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Moussa Samsi, journaliste mauritanien spécialisé en économie. L'ouverture de l'exposition des produits algériens à Nouakchott, c'est devenu aujourd'hui quasiment une tradition qui attire un public extrêmement nombreux et qui acquiert des produits de fabrication algérienne qui ont fait leur preuve aujourd'hui au sein du consommateur mauritanien. Depuis que la route de Tindouf vers la Mauritanie a été ouverte, nous avons une série de camions algériens qui viennent de manière régulière à Nouakchott proposer des produits de l'industrie algérienne, des produits agricoles algériens. La Mauritanie en phase d'édification, l'Algérie, un acteur important pour la modernisation des infrastructures de ce pays à travers la promotion et l'exportation des matériaux de construction. Ali Beynasri, consultant en exportation. Beaucoup de produits sont déjà exportés. À titre d'exemple, le ciment, le roi béton, la céramique sont déjà présents sur le marché et ils ont pris une partie importante. Le président de la République a désigné Nouakchott comme étant une vitrine pour les produits algériens. Très prisés par les Mauritaniens, les produits algériens sont qualifiés d'excellents quant au rapport qualité-prix. Hadj Abdallah, opérateur économique et membre de la Chambre de commerce et patronat mauritanien. Les produits algériens sont très très sollicités par les Mauritaniens. Ils sont des bons produits par rapport au monde. Il y a des bonnes relations entre la Mauritanie et l'Algérie. Tous les moyens sont mis en place pour promouvoir l'exportation nationale vers les pays africains et la région du Sahel à travers le renforcement des dispositifs et la mise en place des mesures incitatives liées à la logistique et les avantages fiscaux. Alger et Nouakchott, c'est aussi un échange de visites et la tenue de commissions mixtes et de concertations politiques. Des projets se sont traduits dans les faits, notamment avec l'ouverture d'une banque algérienne dans la capitale mauritanienne, Nelimen Mendil. Des relations ancestrales qui enregistrent une évolution notable. Alger et Nouakchott œuvrent à élargir les perspectives de coopération bilatérale. Les deux pays ont des points de vue convergents sur plusieurs dossiers et une volonté politique commune de renforcer la coopération économique. Un intérêt qui se traduit dans l'échange de visites entre les responsables des deux pays et qui se concrétise à travers les différents mécanismes adoptés pour hisser les relations à des rangs élevés.
aspects. Il y a tout d'abord la création du comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien, puis la tenue de la 19e commission mixte, en plus de la commission de concertation politique. Plusieurs accords et mémorandums de coopération ont également été signés entre les deux pays. Plusieurs projets sont au programme, à commencer par la ligne commerciale maritime Alger-Nouakchott et la réalisation de la route Tindouf-Zouirat. Cette infrastructure routière est d'une importance capitale pour les deux pays. Elle devrait permettre de relancer l'économie de toute la région. D'autres projets se sont concrétisés. Une première banque algérienne a ouvert ses portes dans la capitale mauritanienne. Plusieurs entreprises commercialisent leurs produits et la première foire permanente des produits algériens est également installée. L'axe Alger-Nouakchott se consolide, mais pour l'heure, les échanges commerciaux ne dépassent pas les 200 millions de dollars. Loin des aspirations des deux pays, l'action conjointe se poursuit donc pour les booster. Ceci donc pour le dossier consacré à la coopération algéro-mauritanienne. Autre dossier, Raza, l'entité sioniste, a bombardé ce jeudi la ville surpeuplée de Rafah dans le sud de la bande, où l'armée prépare une offensive terrestre. L'armée d'occupation prépare une offensive terrestre. Les bombardements ont fait 97 martyrs en 24 heures, selon le ministère palestinien de la Santé. Le territoire est assiégé par l'entité sioniste depuis le début de l'agression de l'occupant et plongé dans une catastrophe humanitaire majeure. Selon l'ONU, 2 200 000 personnes, soit l'immense majorité de la population, y sont menacées de famine. Et justement, on s'approche de la barre des 30 000 martyrs, le dernier bilan faisant état de 29 400 victimes et près de 69 500 blessés, 85% de la population déplacée vers le sud dans des conditions extrêmes. Et le Conseil de sécurité est réuni en session ordinaire autour de la Palestine. Le représentant personnel du secrétaire général de l'ONU a dressé un tableau noir des pratiques du colonisateur sioniste. Le secrétaire général de Médecins sans frontières a quant à lui dénoncé le ciblage délibéré du corps médical à Gaza. Il a rejeté les accusations fallacieuses de l'entité sioniste clamant l'utilisation des hôpitaux par la résistance palestinienne. Et lors de son intervention, le vice-représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Nassim Kawawi, a réitéré la position de l'Algérie, alertant sur les retombées des pratiques de répression sioniste contre le peuple palestinien. On l'écoute. Nous avertissons de répercussions potentielles graves face à des mesures en vue de limiter et restreindre l'accès des Palestiniens à la mosquée d'Al-Aqsa pendant le mois sacré de Ramadan. Ces mesures risquent d'incendier davantage la situation et pour entrer dans une spirale hors contrôle. Nous demandons de respecter le statut juridique et spirituel de la mosquée Al-Aqsa. Madame la Présidente, il n'y a pas de solution à la question palestinienne autre que la création d'un État palestinien. En conclusion, j'aimerais citer la lettre du président de Maggid Tabou à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Je le cite, l'Algérie, un pays à prix lourd pour son indépendance et sa souveraineté sur terre algérienne. La création d'un État palestinien a été proclamée il y a 35 ans et nous continuerons de soutenir la cause de la libération. L'Algérie fera tout ce possible pour appuyer la résilience et le courage du peuple palestinien jusqu'à ce qu'ils obtiennent tous leurs droits sans restriction. Fin de citation. De son côté, la Cour internationale de justice, la CIJ, poursuit pour la quatrième journée ses audiences publiques pour avis consultatif sur les conséquences juridiques découlant de la colonisation des territoires palestiniens occupés, y compris le Quds occupé. En d'autres termes, les magistrats doivent statuer sur la légalité de l'occupation sioniste. 52 États plaident depuis dimanche devant les magistrats de la plus haute juridiction des Nations Unies. Les discours des différents pays durant ces débats devant la plus haute juridiction des Nations Unies adhèrent à la cause palestinienne. On écoute Maître Boumedien Thierry, avocate au barreau de Val d'Oise en France et parlementaire honoraire. Elle en parle à Kalima Hasnaoui. C'est intéressant. J'ai pu constater que, en particulier, la France avait dénoncé et condamné l'occupation et la colonisation et demandé à ce qu'il y ait des réparations. C'est bien une évolution parce que c'est vrai que c'est la première fois que j'entends ces mots d'un représentant français. D'autre part, ça a été à peu près, à l'exception de la Hongrie, ça a été à peu près le discours de l'ensemble des pays qui venaient demander d'une part à cesser le feu et les génocides s'arrêtent et surtout
faut parler de cette occupation et de cette colonisation illégale. On peut toujours avoir le droit avec nous et on peut avoir une très belle ordonnance et un très beau jugement et l'accrocher au mur. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le Conseil de sécurité est le seul qui peut exécuter ou faire respecter les décisions de la Cour internationale de justice et le Conseil de sécurité ne le fera jamais puisqu'il y a un droit de veto des Nations Unies. Pour rappel, ces audiences au niveau de la CIG s'étaleront jusqu'à lundi prochain. Et la question palestinienne s'invite dans les universités algériennes. La faculté Hamal Khadar Del Oued abritait d'ailleurs un colloque scientifique. Les étudiants ont eu l'occasion à s'exprimer sur le rejet du projet de cessez-le-feu proposé par l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU à Mardaraf Dafar. Les débats de ce colloque se sont focalisés sur le rejet du projet de résolution déposé par l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU. Le professeur Omar Farhati accuse les grandes puissances de complicité avec l'entité sioniste. Le déluge du Harsa a démontré à la communauté internationale les positions fortes des pays libres tels que l'Algérie, l'Afrique du Sud, et en même temps a démontré les positions négatives des pays occidentaux et à leur tête les États-Unis par ses positions, par son support militaire et politique et ses oppositions contre la résolution algérienne qui souhaitait mettre fin au génocide qui est en train de se passer au territoire palestinien et notamment à Gaza. Et voici quelques réactions de certains étudiants. Les décisions du Conseil de sécurité et de la Cour pénale internationale doivent s'appliquer sur l'entité sioniste. Les États-Unis refusent qu'un tel projet soit porté par l'Algérie, connue pour son rejet total de la normalisation. De la Wilaya Del Oued à Mardafour pour Algérien 3. Le continent africain passe par une période charnière où il a besoin de leadership et l'Algérie s'érige en locomotive pour le développement selon plusieurs experts africains qui s'expriment à l'occasion du forum que va organiser l'Algérie, le forum des pays exportateurs du gaz jeudi prochain. Parmi ces experts, Maktar Sila, universitaire, expert média, consultant international, il est au micro de Cheikh Ibn Zawi. L'Afrique est dans une période charnière, à la croisée des chemins, avec un potentiel extraordinaire. L'Afrique a besoin de leadership. Et ce leadership aujourd'hui, qui n'est pas revendiqué par l'Algérie en tant que tel, mais du fait des faits concrets et de la pratique, l'Algérie prend ce leadership. Ce n'est pas seulement un leadership politique en tant que tel dans les discours, mais c'est un leadership économique, social, environnemental. Ce que l'Algérie est en train de faire aujourd'hui en Tanzanie, avec donc un hôpital à rénover. Ce que l'Algérie fait en Ouganda, avec un lycée qu'ils sont en train de bâtir, de refaire, parce qu'il porte le nom de Ben Bella, le premier président. Ce que l'Algérie est en train de faire, la route entre le Mali, de 800 et quelques kilomètres entre le Mali et l'Algérie. Ce que l'Algérie est en train de faire en termes de formation professionnelle, de dispensaire, d'hémodialyse au Niger, etc. Tout cela participe de ce leadership qui va avec la générosité et donc qu'il faut assumer. Et je dis très souvent que l'Algérie ne le montre pas et n'en parle pas suffisamment parce que quelquefois peut-être que vous êtes mal placé pour parler de ce que vous faites vous-même, mais il nous appartient, si nous avons des outils qui permettent de le relayer, de pouvoir le faire. Et à propos de gaz, la demande mondiale va crescendo. Elle augmente annuellement de 4% selon les prévisions des experts. Dans le contexte géopolitique actuel, l'Algérie a les potentialités pour s'imposer comme acteur gazier sur le marché mondial. Sofia Boukercha. La demande mondiale de gaz naturel est en constante augmentation, environ de 3% chaque année. Cette tendance soulève des défis et des opportunités majeures pour les pays producteurs. L'Algérie est appelée à augmenter ses réserves pour les années à venir, selon Saïd Beroul, expert international en énergie. Nous avons trois gazoducs qui vont vers l'Europe. Donc on a deux aujourd'hui. Donc l'Algérie, elle joue un rôle important. Nous avons une obligation d'augmenter nos réserves nationales. Parce qu'on attaque à un budget 2024-2028 de 40 ou 45 milliards de dollars. Il y a 36 milliards de dollars rien que pour l'exploration et la production. Son volume gazier est indispensable. L'Algérie possède tout le potentiel pour s'imposer comme acteur majeur de l'industrie gazière. Mohamed Preur, expert en énergie. Nous avons une fenêtre d'opportunité parce que nous sommes nécessaires. Et c'est le moment de dire « je veux ». Des partenariats stratégiques. Je veux que Sonatrach soit présente et vende des molécules de gaz et des kilowattheures au client final. Si on traverse le miroir, là, les volumes concurrents qui viendraient du Moyen-Orient ou là des États-Unis, ça ne sera non plus des menaces, mais des opportunités. Pour se projeter dans le futur, la diplomatie algérienne doit aider Sonatrach. Nous avons les moyens de nous imposer comme un acteur dans le domaine énergétique. La demande croissante de gaz naturel offre des perspectives prometteuse pour l'industrie gazière mondiale. Pour le GNL, les échanges sont à 30% et peuvent atteindre les 58% en 2050 selon les estimations des experts.
Le projet du nouveau plan de circulation de la capitale était hier au centre de la réunion du gouvernement. Le projet porte sur l'organisation de la circulation routière et la stratégie nationale de lutte contre les accidents de la route. Alors, ce qui est évident, c'est que trouver une place de stationnement dans la capitale ou dans les rues de la capitale relève pratiquement du miracle. Reportage Smaïl Mimouni. Le problème de stationnement ou de manque de parking est posé par la majorité des automobilistes à Alger. Nous avons rencontré certains d'entre eux. Shiraz tente depuis plus de 30 minutes de trouver une place. Elle a fini par stationner en deuxième position. On n'a pas des artères où les gens peuvent parquer, par exemple, une demi-heure, 40 minutes. Surtout quand on a un parent âgé qui doit retirer son argent. On l'accompagne pour des analyses médicales. Il y a une contrainte énorme. On a besoin de parking ou bien d'air de stationnement normalisé. On peut payer un parking, mais avec sécurité. Abdelmajid est médecin. Il fait le parcours entre Cheraga et Alger Centre presque quotidiennement pour pouvoir stationner au parking d'Ali Mellah. C'est invivable. Pour trouver une place, il faut descendre à Alger à 6h30. Ou là, il faut garer à 1 km ou à 2 km de l'endroit où on doit partir. À Alger Centre, il y a 1, 2, 3 parkings. Pour une capitale où il y a 4 millions d'habitants, où il y a 1 million de véhicules qui tournent à Alger. Tout un programme est tracé par la wilaya d'Alger pour résoudre le problème de stationnement. Amran Hussein, chargé de la direction des transports de la wilaya d'Alger. Il y a deux parkings à étage qui ont été réalisés et sont en exploitation, à savoir parking à étage Albière, parking à étage à Kouba. Deux autres parkings sont en cours de réalisation, à savoir parking à étage Medania et parking à étage Hydra. Enfin, nous signalons que chaque infrastructure de transport en cours de réalisation est dotée d'un parking d'une capacité suffisante tel que le projet de la gare multimodèle de Bir Mandraj. Le plan mis en place par la wilaya d'Alger comporte, en plus de la réalisation de nouveaux parkings, un large programme d'extension des lignes de métro. On va parler de tout autre chose, la formation professionnelle. La rentrée, la deuxième session est prévue dimanche 25 février. Tout se fait désormais en ligne, le secteur étant entièrement numérisé. Le ministre de la formation professionnelle a présidé ce matin, le séminaire sur la numérisation. Un séminaire accompagné de journées portes ouvertes pour présenter les avancées réalisées dans le domaine de la formation professionnelle. On écoute Seder Koudil, directeur central de la formation au ministère. Il en parle à Soraya Erzlen. L'objectif est pour montrer les efforts que fait l'État, donc à travers le secteur de la formation et l'enseignement professionnel, sur cette transition numérique qu'il faut dire, il n'y a pas qu'Alger qui organise cet événement, pour montrer tous les efforts qu'a fait le secteur, donc l'État aussi. Donc il y a les 58 wilayas qui ont ces portes ouvertes à toute personne désireuse de connaître ce qu'a fait le secteur. Et j'insiste pour dire aussi que ces efforts sont faits par des stagiaires, des apprentis et des formateurs du secteur de la formation et l'enseignement professionnel dont on est très fier. Et avant de parler sport, direction Tizi Ouzou, et dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, la Maison de la culture Mouloud Mamri abritait une conférence débat sous le thème « Le rôle de la langue maternelle dans le cursus scolaire », une conférence animée par le docteur en linguistique Abdelzak Dourari Mohamed Haouchine. Le docteur Abdelzak Dourari, directeur du Centre national pédagogique et linguistique pour l'enseignement de Temazirt, a notamment sensibilisé la nombreuse assistance sur l'importance de la langue maternelle en tant que langue première chez l'enfant sur le double plan linguistique et psycho-affectif. Dans le monde entier, on fait recours à la première langue de l'enfant pour le mettre dans des conditions psycho-affectives plutôt détendues. Et là, on verra que nos enfants ne sont pas moins intelligents que les autres. Ils sont tout aussi intelligents, par moments plus, mais il y a un souci dans notre école. On leur parle dans une langue qu'ils ne comprennent pas. On n'a pas une attitude de rejet de cette langue, c'est la langue de l'école. C'est une langue de l'école, elle n'est pas la langue par laquelle il a découvert l'univers, il a découvert le monde dans le cadre de sa famille. Il est à noter que dans le même cadre, le docteur en linguistique Khaled Aïgoun traitera ce matin encore de l'importance de la langue maternelle dans le système éducatif algérien. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Alger Chaîne 3. Et on arrive au sport, Rostam Yahya Chérif, bonsoir. Bonsoir. Et on va parler pour commencer de judo et le championnat arabe des clubs à Alger. Tout à fait, à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf, le championnat arabe individuel des clubs à la coupole. Et pour nous en parler, direction la coupole, justement, on retrouve notre spécialiste en judo, Ali Hamouch. Ali, bonsoir.
Bonsoir Rustam. En effet, c'était la première journée du championnat des clubs champions, championnat arabe des clubs champions, catégorie senior chez les clubs. Donc, le titre qui a été remporté par le club tunisien de judo qui a totalisé 6 médailles en or, une argent et une en bronze. Il a été talonné de près par le judo club El Haraj par 3 médailles en or, 5 en argent et 3 en bronze. La troisième place est revenue à l'Académie de l'Union Qatari avec une médaille en or. Voici le classement final de cette journée en individuel. Justement, on va écouter un des médaillés d'or algériens issu du club d'El Haraj, le judo club d'El Haraj, Houd Zeldani. الحمد لله في المرتبة الأولى كان ما بين صديق كأخ صغير أنا بالتجربة عليه وهو جن صغير جونيور تاني نزيد من فريق تاع الحراش وتكون مقول صندري وحنا عندنا خبرة نيفو كان نقوله متوسط ما كانش ما دخلوش زعما الملاح الملاح حنا المهم فزنا بالمرتبة الأولى كلب تاع الحراش كيما حنا نقوله من بعد جيدو ما يخلصوش لي زات 300 يبقاو غير يخرجوا من الحراش. Voilà, c'était l'athlète, le judoka Houd Zeldani, suite à sa victoire, la médaille d'or lors du championnat arabe en individuel des clubs champions. Je rappelle que ça se passe à la coupole du complexe olympique. Mohamed Boudiaf, il était au micro de Ali Hamouch. Autre événement international, le challenge international de badminton à Kampala en Ouganda. Bonne entame de compétition pour nos champions d'Afrique. Tout à fait, en double messieurs, la paire championne d'Afrique, Oseila Mohamed Sabrimed, elle s'est qualifiée pour les 16e de finale en battant la paire ougandaise, Mulundwa et Ogwang, par 2-7 à 0. Et en double mixte, la paire Kouseila et Tanina Mamani, sacrée championne d'Afrique dimanche dernier, passe en 16e de finale grâce à sa victoire de 7 à 0, face également à une autre paire ougandaise, Ensubuga et Razavipour, par 2-7 à 0. Je rappelle l'objectif de cette Open, le challenge international de Kampala en Ouganda, récolter le maximum de points en vue du ranking olympique qualificatif pour les JO de Paris 2024. Football avec la réunion du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football. Le futur sélectionneur national sera connu prochainement. Tout à fait, après que les membres du bureau fédéral ont évalué la participation de l'équipe nationale à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et tirent les conclusions d'un échec regrettable après l'élimination au premier tour de cette compétition continentale. Étant donné que les échéances de l'équipe nationale A approchent, la désignation d'un nouveau sélectionneur et staff s'impose et les pourparlers avec le futur sélectionneur sont en cours et il sera annoncé incessamment une fois que tous les détails de l'accord seront validés de part et d'autre. La prochaine date FIFA du mois de mars 2024 sera l'occasion pour l'équipe nationale de disputer deux matchs amicaux, je le rappelle, face à la Bolivie et face à l'Afrique du Sud dans le cadre du tournoi FIFA Series Algeria édition 2024. Il y a eu également sur la Coupe d'Algérie 2024, le bureau fédéral a fixé la date du 17 mars 2024 pour le tirage au sort des 8e et quart de finale de la Coupe d'Algérie. Le bureau fédéral a validé le règlement des primes de la Coupe d'Algérie qui n'avait pas été honoré la saison 2023-2024 à titre de régulation du passif. Et on va parler de football féminin avec la conférence de presse animée par le sélectionneur national Farid Benstiki. Tout à fait, il est revenu essentiellement sur les objectifs de ce stage de préparation à Alger en vue de la CAN 2024. On écoute justement le sélectionneur national de la sélection féminine, Farid Benstiki. D'abord, le fait de venir à Sidi Moussa s'entraîner, on a d'excellentes conditions et ça, c'est déjà un avantage pour nous parce qu'on commence à prendre l'habitude, notamment les nouvelles joueuses. Ensuite, concernant le groupe et l'effectif, on a eu pas mal d'absentes qui n'ont pas pu venir parce que quelques problèmes administratifs et aussi de blessures. Mais ça m'a permis aussi, avec les blessés, de compenser avec de jeunes joueuses et notamment certaines U20. On a un excellent groupe et le président nous a trouvé le Burkina Faso, deux matchs. Donc ça, c'est super important pour nous de pouvoir encore préparer cette CAN à travers aussi les matchs amicaux. Et puis aussi sur des équipes africaines que l'on va certainement sensiblement retrouver pendant la CAN. Et justement, la double confrontation face au Burkina Faso, ça sera le samedi 24 et le mardi 27 février. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Hafid Medja qui était à la réalisation, Sadiq à la technique et Nesrine à la régie. Merci aussi à Monique qui était au streaming vidéo. L'information revient à 20h. Kalim Wally sera là pour le premier flash. Place tout de suite à la météo.